Hey mec, qui c'est ce mec? Hey Fantomas, t'es sur mon siège là! Ouais, casse-toi! Et t'avises pas de revenir, hein, sinon tu vas tâter mon fantôme personnel! Il sort pas beaucoup, mais il a pas besoin de draps sur la tête pour faire peur! Pèse les gens! D'après les cris suivants, on peut présumer que Scream est un film d'horreur. Regardons de quoi ça parle. Allô? Oui, j'écoute. Je suis à quel numéro? C'est vous qui avez appelé, vous devriez le savoir. Ben non, je ne sais pas. De toute évidence, vous vous êtes trompé. Vraiment? Oui, c'est pas grave, ça arrive. D'accord, donc Scream, ça m'a tout l'air d'être l'histoire d'un mec qui fait des blagues téléphoniques à Drew Barrymore. Sans déconner, qui fait des blagues téléphoniques aujourd'hui? Maintenant, on harcèle des gens sur Facebook ou sur des salons de chat. Coucou, tu veux voir ma bite? Mais sérieusement, des blagues téléphoniques? Tiens, mais tant qu'à faire, je vais lui demander. Hé, du con! Tiens, tu prends une chaise et tu vas nous expliquer ce que tu fous dans le film. La demoiselle reçoit quelques appels à répétition d'un gars qui en veut. Non, non, attendez, ne raccrochez pas. Quoi encore? J'ai envie de vous parler. Vous avez 36-15 pour ça. Allez, salut. Vraiment? Le 36-15? D'abord les blagues au téléphone, puis après le Minitel? Bientôt, tu vas le faire croire que le télégramme, c'est super tendance. Pourquoi refusez-vous de m'écouter? Qui êtes-vous à la fin? Dites-moi qui vous êtes, je vous dirai qui je suis. Oh. Ok, y a un truc que je comprends pas. Là, dans le film, tu parles? Je n'aime pas trop parler sans mon transformateur de voix. Les gens se moquent de moi. Sérieux? Vous avez un petit ami? Non. Pourquoi? Vous voulez me demander en mariage? Ah, c'est comme ça que tu conclus? Ah ben bravo, c'est des jolis chez les muets. J'ignore toujours votre nom. Ça vous avancerait à quoi de le connaître? J'aime bien savoir qui je regarde. Ah, parce qu'en plus tu les regardes? Eh, je suis peut-être un connard, mais moi au moins je m'inspire pas aux fenêtres. En tout cas, je me souviens pas. Mais je vous emmerde! Bah je vous avais dit que j'avais une voix pourrie! Ok, donc là c'est le passage où tu passes à la vitesse supérieure, c'est ça? Vous pouvez aller vous faire foutre! Écoute-moi bien, petite salope. Si tu raccroches encore une fois, je saigne comme une truie. Ouais, tu fais ça à chaque fois? Bah avant j'utilisais cette technique sur internet, mais depuis que j'ai un transformateur de voix, c'est plus marrant au téléphone. Bah oui, je comprends. Donc la fille fait le tour de la maison pour fermer les portes. Si vous continuez, j'appelle la police. Ils arriveraient trop tard. Voilà ce que c'est que d'habiter un coin paumé. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Voir la couleur de tes tripes. Oh. Oui, ça c'est parce que je préfère quand les filles ont leurs règles. C'est plus doux. Bref, cette tête de con étant assez jaloux, il a attaché le petit copain de la fille et demande à Drew Barrymore de jouer à un jeu. D'accord, mais quel genre de jeu exactement? Éteins la lumière et je t'expliquerai la règle. Règle? Le jeu est le suivant. Je te pose des questions. Si tu me donnes les bonnes réponses, Steve reste en vie. Non, pas ça. Quel est le nom de l'assassin dans Halloween? Non. Tu le sais au moins? Aucune idée, pourquoi? Donc la fille ne sait pas non plus et le mec se fait buter. Donc le méchant pète une fenêtre et s'infiltre à l'intérieur. Waouh, ce mec c'est un vrai ninja. Drew Barrymore sort de la maison et reste scotché contre le mur au lieu de se barrer en courant. Pourquoi elle longe le mur? Pourquoi elle longe le mur? Casse-toi. Pourquoi elle longe le mur? Ah, pour faire un bisou au méchant, j'avais pas compris. Faut croire que la drague au téléphone, finalement, ça marche. Hé, hey, mademoiselle, t'as joué dans le rôle de dame? Et tu connais Cameron Diaz, mademoiselle? Vas-y, laisse-toi faire, coquine. Bref, la madame se fait buter. Et on coupe sur Sydney, l'héroïne du film, qui se fait surprendre dans sa chambre par un méchant prédateur sexuel. Je vais dire son copain Billy, un clone raté de Johnny Depp qui compte bien l'agresser sexuellement. J'étais chez moi, fallait devant la télé. Je regardais L'Exorciste. Et ça m'a fait penser à toi. L'Exorciste? Oui, tu sais le passage où... Ça m'a fait penser à ce que tu m'as fait la dernière fois. Ok, je plaisante, puisqu'évidemment, si Billy essaie de la séduire, c'est parce qu'il n'est jamais passé à l'acte avec elle. Et donc il compte bien utiliser tout son romantisme pour enfin parvenir à ses fins. Ça suffit, la récréation est terminée, mon petit lapin. Une ceinture blindée? Oh, mais ça risque de mériter la bistouquette.
Donc, Sidney le chasse, non sans lui avoir donné un petit cadeau de consolation, ce qui l'encourage encore plus à partir. Et ben, je me demande bien ce qu'il a pu lui montrer. Non, je veux pas savoir, je veux pas savoir. Bref, après ce passage à l'horreur, le lendemain matin, Sidney sera à son lycée. Oui, son lycée où tous les élèves ont 28 ans. Ça me rappelle la série Dawson, tiens. Quoi, c'est le même scénariste? Ha! À ce niveau-là, c'est pas un scénario qu'il écrit, c'est un fantasme personnel. Après ça, on découvre les copains de Sidney. Randy le geek, qui tiendra le rôle du geek, Stuart l'abruti, qui tiendra le rôle de l'abruti, et Tatum la bonasse, qui tiendra le rôle de... la première victime du groupe. Oui, oui, elle s'appelle Tatum. C'est comme un tatou, mais avec du M en tour de poitrine. Donc ils discutent, ils déconnent, et Sidney décide soudain de leur montrer son super pouvoir. Exactement, un super pouvoir qui consiste à déclencher une musique triste chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Enfin, comment peut-on éventrer un être humain? Et ça marche plutôt bien. Enfin, comment peut-on éventrer un être humain? Et on s'en branle! Non mais c'est vrai, bah, tu niques l'ambiance! Justement, Sidney va pouvoir nous montrer ses autres talents, puisque nous la suivons maintenant chez elle. Toute seule, abandonnée de tous, alors que la nuit tombe. Regardons ce qui se passe. Tatou, mange-toi, s'il te plaît. Bonsoir, Sidney. Non! Mais vous l'aurez compris, Sidney n'est pas une fille facile, donc elle s'imagine immédiatement qu'il s'agit de Randy, le geek de tout à l'heure. Ce qui va nous permettre un changement brutal d'atmosphère dans 3, 2, 1... Peut-être parce que je ne suis pas Randy. Où vous êtes? Sur le pas de ta porte. Bien, je demande à voir. Parce qu'elle a des couilles. Évidemment, y'a personne. Pourquoi? Parce que le tueur est à l'intérieur. Bazinga. Donc Sidney réussit à s'enfermer dans sa chambre pour appeler la police sur... le Minitel. Ok. Mais le tueur est parti, et à ce moment précis, Billy débarque, prend Sidney dans ses bras et laisse tomber son téléphone. Serait-ce lui le tueur? Ça semble être un travail pour Valédéric. Quelles sont les preuves? Le suspect a un téléphone. Enfermez-le. En tout cas, Sidney connaît sûrement Valédéric puisqu'elle en arrive aux mêmes conclusions. Sidney! Donc, Billy est arrêté et le shérif a des questions très intéressantes pour lui. Autre chose, mon garçon. Qu'est-ce que tu fiches avec un portable sur toi? C'est bon, on a compris. Billy est placé en garde à vue, Gail, alias Courtney Cox, la journaliste, mène son enquête, pendant que Tatum amène Sidney chez elle. Le film semble être fini, et pourtant, l'épisode des experts Strasbourg ne fait que commencer. Vous croyez que c'est lui? Il y a 20 ans, j'aurais répondu non, sans hésiter. Mais avec les jeunes d'aujourd'hui, je ne jure plus de rien. Chez Tatum, les filles font la fête, ou plus particulièrement une soirée pyjama. Le sommet de l'éclat dans les années 90, avant l'invention de Justin Bieber. J'adorerais faire une soirée pyjama avec toi. Mais la soirée ne dure pas puisque le tueur rappelle, donc il semblerait que Billy ne soit pas le tueur que l'on recherche. Derek avait tort. Vous en êtes certain? Le lendemain, Gail la reporter et Sidney ont une conversation endiablée sur le fameux meurtre de la maman un an plus tôt. En effet, Sidney est un peu spécial. Sa maman a été tuée un an auparavant. Donc ça part de preuve d'un assassinat que l'on ne verra jamais à l'écran, d'un suspect qui n'apparaît jamais dans le film. Alors on va vite laisser tomber et dire que leur conversation parle donc de pizza. Pizza, pour ne pas réfléchir. Un peu plus tard, le lycée annonce que l'école est fermée jusqu'à nouvel ordre. Stuart débarque et c'est à lui qu'incombe la tâche d'offrir des victimes aux tueurs. Je veux dire faire rebondir le scénario, je veux dire offrir des victimes aux tueurs. Brinque a tout cassé ce soir chez moi pour fêter dignement cette période de l'hésité qui commence. C'est sérieux? Exactement, il y a un tueur chez les jeunes, alors pourquoi ne pas faire une super fête? Quoi? Des zombies envahissent les rues? Et un virus qui castre les hommes et excise les femmes se propage dans l'air? Méga taf chez moi! Pendant ce temps, le proviseur du lycée fait mumuse à l'école vu qu'elle est fermée. Fonzie? The Happy Days? Ok, j'ai compris. Le tueur est un requin et c'est Fonzie qui va lui sauter dessus. Attention, si vous avez compris cette blague, ça veut dire que vous êtes vieux. Allez tout de suite travailler au lieu de glander sur internet.
Donc quelqu'un frappe à la porte de son bureau, Fonzie sort et tombe sur... Freddy Krueger? Vraiment? Et qui va apparaître ensuite? Charlie Chaplin? Et après quand il tombe sur Charlie Chaplin, il y a Coluche qui lui parle et il y a le général de Gaulle qui arrive pour leur donner des coups de cravache. Et après, il y a Sacha de Pokémon. Bref, cache-cache dans le bureau, le proviseur crève, tout ça, tout ça. Ah, me demandez pas pourquoi il crève, hein, parce que vu que l'intérêt du tueur est apparemment de faire fermer l'école, et qu'à ce moment du film, l'école est déjà fermée, moi non plus, du coup, j'ai pas compris. On passe. La discussion Sidney Tatum sur le fameux meurtre qu'on aurait dû voir dans Scream Zero, ça m'emmerde, on passe. À moins qu'on laisse juste ce petit passage qui me fait beaucoup rire. On se bouge ? Super, une scène dans un vidéoclub. Encore un passage pour faire gratuitement plaisir à ces connards de geeks avec des références à foison. Ah, franchement, je ne supporte pas ça. Randy et Stuart discutent donc des règles. Règles ? Les règles de films d'horreur. Ce qui permet à Randy d'exprimer toute sa geekitude en hurlant pour prouver qu'il a raison. Un peu comme s'il postait un commentaire sur YouTube. Il y a une formule là-dedans. C'est ce qu'on fait de plus simple comme formule. Tout le monde est suspect. Pour moi, le père est une diversion. C'est Billy. Donc Billy fait peur à Randy. Quel est le but de cette scène? Nous faire soupçonner Billy alors qu'il a été relâché et qu'il ne peut pas être le tueur alors qu'il est suspect et qu'il a un téléphone alors qu'on peut soupçonner les autres même s'ils ont l'air plus gentils que Billy et qu'on ne sait pas s'ils ont des téléphones et qu'on nous fait réfléchir à qui est le tueur entre Billy, Stuart, Randy et le chien de la voisine. Avez-vous compris cette phrase? Moi non plus. De quoi parle le film? Pizza. Pizza. Ok, la scène suivante sera vraiment utile. Dans ce supermarché. À chaque fois qu'il me touche, allez. Je me referme aussitôt. Allez. Elles font les courses. Allez. Allez. Elles ouvrent le congélateur, allez! Putain, la scène va se finir et il se sera rien passé. Mais qu'est-ce que... Le tueur est dans le supermarché? Putain de film, mais t'es complètement con! Comment le tueur est rentré dans le supermarché? Je veux dire, il y a personne qui le voit faire? Pardon monsieur le tueur, je suis un grand fan, hein, mais excusez-moi, vous pouvez pas rester caché derrière les couches culottes comme ça, vous comprenez? Ça ne se fait pas, hein, vous comprenez? Bon, en plus vous êtes déguisé, c'est interdit dans l'enceinte du magasin, vous me comprenez bien, hein, bon. Ah, excusez-moi, vous êtes en train d'espionner d'autres personnes. Je vous dérange en plein travail. Je suis profondément désolé. Juste, est-ce que vous pourrez me signer ce petit autographe? C'est pour mon frère, hein. Il est proviseur au lycée d'à côté, ça lui fera plaisir. Hein. Ah, vous l'avez tué? Ah, autant pour moi, j'arrête de vous déranger. Eh, bon courage, bon courage, Il s'aime pas, hein. Bon, on passe directement à la fête parce que là, ça m'énerve. Pardon, je veux dire... On bouge son cul et on fait la teuf. Et allez, c'est la fête. Gail, la journaliste, et Toby, le shérif adjoint, s'invite. En fait, tout le monde est invité. Spider-Man, Dark Vador, Jimi Hendrix, Michel Drucker, Strauss-Kahn. Non! Pas Strauss-Kahn. Donc avec tous ces nouveaux invités, Tatum va chercher de la bière au garage. Seul, enfermé, abandonné de... Ok, vous avez compris. C'est toi, Randy? Tu veux me jouer la scène jusqu'au bout? Et c'est moi, la pauvre petite victime? Bon, cette fille est débile. Tu l'as? Bah, elle est déjà morte. C'est bien, tu remontes dans mon estime. Attention, il tente la technique du frigo et il conclut par une magnifique roulade de la mort, mouvement souvent imité mais jamais égalé. C'est là la force des athlètes américains. Alors que je crois que oui, c'est formidable. Sa partenaire conclut par un coincé de sein par la porte du garage. C'est totalement inédit. Un final pour le moins explosif, n'est-ce pas Philippe? Je pense qu'elle aura mérité un bon bol de riz ce soir. Et juste après ça, c'est le moment précis que choisit Billy pour apparaître. Tiens donc! Non, ta gueule! Donc Billy et Sidney vont dans la chambre pour tenter de percer la ceinture de chasteté de la demoiselle. Découvrons ensemble comment ça se passe. Non! Jamais je ne me donnerai à vous! Bon, en vrai, ils sont assis sur le lit, aussi timides que de jeunes collégiens de 28 ans. Tu commences. Si tu veux. Action ou vérité? Vérité. T'as déjà couché avec un ours? Ok, c'est moi qui vais commencer. Blablabla, elle lui dit que finalement, elle a bien envie qu'il lui déflore la fifroulette avec la tige de son pissenlit. Pardon? Tu m'as très bien compris. Et c'est le home run pour l'équipe des clones de Johnny Depp. Tenez, au même moment... C'est ce passage-là.
Au même moment donc, les Jones regardent Halloween et débattent sur le film. Randy constate que ses potes connaissent moins les films d'horreur que lui et décide d'en énumérer les règles. Règles ? Alors il y en a trois sortes. Il y a celle qui colle, celle qui pue et celle avec des morceaux. Donc Randy a un coup de fil où il apprend que le proviseur a été pendu sur le terrain de foot du lycée. Ce qui fait que tout le monde va immédiatement voir. Normal. Pendant ce temps, Gail et Dewey vont roucouler au bord de la route. Roucoule, 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 roucoule. Et Sydney et Billy ont fini de faire les coquins, et comme toute vraie femme qui se respecte, après le sexe, Sydney veut parler. T'as téléphoné à qui ? Quoi ? Le soir où t'as été arrêté, t'as eu droit à un coup de téléphone, et par curiosité, je voudrais savoir qui t'a appelé. Et comme tout homme qui se respecte, après le sexe, Billy veut éviter des discussions embarrassantes. Explique-moi ce qu'il faut que je fasse pour te prouver que je ne suis pas un assassin. Oh mon Dieu ! Billy, fais attention ! Donc Sydney se fait poursuivre dans une maison qui est un putain de manoir, mais Mademoiselle joue dans la cour des grands et décide que cette baraque n'est pas suffisante. Hop, on se casse dehors. Elle fonce vers le camion et comme le petit poussé qui sème des cailloux, elle se doit de semer des cadavres et de mener le tueur vers chaque personnage secondaire. Et ce sera... le cadreur. Sydney se faufile tant bien que mal vers la porte arrière, le tueur la suit parce qu'il est un petit peu con, et hop, encore une fois, Sydney étant un Pokémon super rare, elle réussit à échapper au méchant dresseur. Pendant ce temps, Gail appelle les flics, tape sur un geek, c'est gratuit mais ça fait toujours plaisir, et fait laver son pare-brise sans avoir à donner la petite pièce qui va avec. Sympa. Et sur la route, devinez quelle est la connasse qui va être responsable de sa rencontre avec un platane ? Indice, ce n'est pas Brigitte Bardot. Arrêtez ! Bon, ça c'est fait. Oula, mais c'est que le dénouement est proche là. Va falloir que j'assiste à la mort de Dewey, que je me fasse poursuivre encore une fois pour le plaisir, et que je revienne me cacher vers la maison au lieu de me barrer dans les champs. En effet, un programme plutôt chargé donc, et qui doit être bien fatigant, puisqu'à la fin, comme elle le dit si bien... Je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Et devinez quoi ? Billy est vivant. Oui, oui. Comment il l'a fait ? J'ai fait semblant. Ah bah oui, en même temps, je suis con avec mes questions. Oh Billy, aide-moi. Vas-y, vas-y, entre, entre. L'histoire t'a pété les plombs. Il est devenu fou. Mais on est tous un peu fous à notre manière. Non, Billy ! Foiré ! Donc c'était Billy depuis le début, hein. J'imagine qu'on pouvait le deviner puisqu'en effet, il avait un putain de téléphone. Stuart, moi je t'en prie. Tu me reconnais, Sydney? Ah bon, il y avait deux tueurs? Mais il y a un truc que je piche pas, là. Eh, eh, viens voir deux secondes. Vous allez me taper. Eh non, mais non. Assieds-toi, tu vas juste m'aider à comprendre quelque chose. On a déjà joué à ce jeu, tu t'en souviens? La seconde étape est plus facile, on te pose des questions à tour de rôle, et dès que tu te gourres, BAM ! On te descend. Attends, y'a rien qui te choque là ? Bon non ! Attends, tu m'as dit que t'avais une voix pourrie, mais les deux cons que je vois dans le film, ils ont une voix normale ? Mais j'ai jamais dit que j'étais l'un d'entre eux ! Bah oui ! Vous faites regarder la vidéo encore une fois si vous voulez ! À aucun moment je dis que je suis dans le film ! Cada um tem três merdas. Viens là! Non! Viens là! Non! Pourquoi faire? Pourquoi faire? Enlève ton costume! Pourquoi faire? Tu vas voir, Picon! Non! Non! Voilà, ton costume! Voilà, ton petit costume! Voilà, ton petit costume! Voilà, ton petit costume! Voilà, ton petit costume! Voilà, donc, Billy et Stuart veulent faire porter le chapeau sur le père de Sydney, qui semble important même s'il n'apparaît que 10 secondes dans le film. Et pour rendre l'histoire crédible, ils veulent se trouver mutuellement. Ai-je besoin de repréciser que Billy et Stuart sont un peu beaucoup cons ? Putain de bordel de... Eh oui, ça pique. Mais Sydney profite d'un moment d'inattention, se cache et ne peut résister à l'envie de faire quelques blagues au téléphone. Apparemment, c'est contagieux. Allô ? Je m'appelle Koé. On est sur énergie. Merde, mes parents vont être sacrément pétards contre moi. Et donc Sydney, habillé en méchant, là non plus me demandez pas pourquoi, fonce sur Billy avec un parapluie. Ah
C'est vachement efficace un parapluie. C'est peut-être ça que j'aurais dû te mettre. Non, non, une lampe ça suffira. Rends pas par terre, avec la lampe tu vas brûler le plancher. Ok, dernier round, dans le salon. Un combat avec notamment des galipettes, des coups dans les parties, et un homme au cœur brûlant qui s'enflamme un peu vite. Moralité, les hommes ne veulent que donner du plaisir aux femmes alors que celles-ci finiront toujours par leur arracher le cœur. Et le trio gagnant est donc Sydney, Gail et Randy. Et faute de remporter le jambon de la loterie communale, ils gagnent juste le droit de jouer dans la suite. Et c'est fini! Attention. Quoi? C'est toujours à ce moment-là que le méchant qu'on croyait mort revient à la vie pour un dernier frisson. Attendez, attendez, attendez! Laissez-moi une chance de me faire pardonner! Pas dans ma vidéo! Mais si je vous dis que je peux vous montrer Scream 2, certains trouvent qu'il est meilleur que le premier! Ça se trouve, vous allez aimer! Ah oh. Non, te fais aucune illusion, non. You've been wasted.